بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من فخير ابن سير الإسلام، من فخير ابن سير كيفاش يبنوا لايف لو فيسبوك. Nous saluons tous par salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons l'ange. Nous remercions lui pour tout ce bon faveur. Nous faisons éloge. Et nous remercions lui pour faveur de la connaissance. Alhamdulillah, nous finissons dans un parmi ce la case, ici à Masjid Nour et Iman, à Beaujardin dans Richano, où nous commençons une deuxième session, série d'explications concernant les signes du Qiyama. Alhamdulillah, dans 8 à 9 sessions environ, ou 28 moins, mensuellement nous finissons faire ici concernant les petits signes du Qiyama. Et avec requête de Manfred et la direction, nous disons, Inch'Allah, nous pouvons faire les grands signes. Quand nous terminons avec les petits signes, voilà, nous pouvons respecter, nous pouvons honorer nos promesses. Alhamdulillah, dans sa première session de ce soir-là, nous vous brosse un tableau qui nous pourra prendre dans les grands signes du Qiyama. Et nous ne pouvons pas être trop long aujourd'hui. Mon alphane irait, mon albo en mexine, c'est ça mon maghrib, et ça, il n'a pas beaucoup d'inconvénients. Alors, si nous vous faisons une petite session, et Inch'Allah, à partir du mois prochain, Inch'Allah, nous rentrons dans les détails concernant les grands signes du Qiyama. Nous faisons une différence, ou soit, quand nous commençons les petits signes du Qiyama, nous t'expliquons une différence qui est là entre les petits signes et les grands signes. Alors, si vous m'avez posé une question, vous pouvez demander comme ça, est-ce qu'il nous encore rappelle quelle différence il y a entre un grand signe et un petit signe? Il est important, ça, quelque chose. Très important. Un parmi une différence plus importante qu'il y en a, c'est aucun, il est important, ça point là. Aucun grand signe pas encore apparaître. Aucun grand signe pas encore apparaître pour apparaître. Tandis qu'il y a un petit signe, il finit apparaître, peut apparaître et pour apparaître. Ça, c'est une parmi la différence principale qui est là entre un petit signe et un grand signe. Un grand signe, il commence avec l'arrivée de l'imam Mahdi. Ensuite, pour la Dajjal, pour la deuxième, troisième, pour la descente de Isa alayhi salam, quatrième, pour la Yajouj et Majouj. Ensuite, pour la la bête qui peut sortir depuis la terre, prenant trois effondrements à la terre, un dans l'est, un dans l'ouest, un dans la péninsule arabe, prenant une la fumée qui peut apparaître, et prenant un grand diffé qui peut rassembler Mandimoun depuis Aden, depuis Hadramaut dans Yémen, pour épouser tout pour amener vers Ardusham. Alors ça, c'est un grand signe du Qiyama. Et nous ne les avons étudiés pas ici, ailleurs, mais Inch'Allah, nous peut penser pour son système là. Sinon, les bouvines boring. Parce que moi-même, nous faisons enseigner à Belle Rose, et avant ça, dans des autres places encore, nous faisons enseigner. Alors, si vous voulez pas une boring, nous pouvons essayer sans système là. Nous pouvons commencer avec Imam Mahdi, mais nous pas pour aller dans l'autre qui nous habitue à aller. Nous prenons Imam Mahdi avant, ensuite nous prenons ben, les autres grands signes, à part Dajjal, Yajouj et Majouj, et la descente d'Isa, parce que c'est trois grands signes qui sont extra longs. D'ailleurs, alors si nous vous quittons ces trois-là, nous vous prenons Imam Mahdi, ensuite nous vous skip ces trois-là, nous vous allons vers ben, les autres grands signes qui peinent une grande information, par exemple, les trois effondrements de la terre dans 5 minutes ou 4 minutes. La bête qui peut sortir depuis la terre et pour cause avec Mandimoun dans 10 minutes qu'à partir de minutes. La fumée qui peut apparaître pour envahir partout, dans une minute, nous quand terminé. Alors, nous vous faisons dans sa façon-là. Et, à part,
Dajjal, Isa alayhi salam, Yajuj et Majuj, Gog et Magog. Les restes, ben, l'information que nous dit, nous pas pour aller trop dans les détails, mais ça quatre là, il y a pas mal de détails. L'Olafis nous fait une sens titre là, nous mettre les grands signes du Qiyama. Ensuite, en bas, nous mettons un sous-titre, Imam Mahdi numéro 1. Mais cette fois-là, nous fait une sens. Notre titre, c'est Imam Mahdi selon Coran et Sunna. Selon Coran et Sunna. Ban qui, alhamdulillah, vous faites zéfou pour apprendre. Vous êtes capable de dire, mais ça va, et là, mon corps, il pas trop connaît qu'il peut dire. Imam Mahdi selon Coran, pas existé, ça. Il n'y a aucune place dans le Coran qui mentionne Imam Mahdi. Il n'y a aucune place dans le Coran qui mentionne Dajjal. Et ben, l'ennemi de l'islam, là, il y en a un parmi les alim qui finit écrire un gros volume, Zislo Imam Mahdi. Clair? Parce que, malheureusement, dans nos communautés, nous avons des musulmans qui poussaient, comme on dit, champion. Faut pas les servir le mot. Ben, champion, vous connaissez quand la pluie tombe, pousse pas de partout, là. Qu'on soit, nous avons des savants poussés. Dans le Coran, il pas existé, ça, mon parcours là-dedans. Combien de petites choses qu'on sent, dans le Coran, peut dans ce mention, c'est moi, nous obligé de croire là-dedans. Nous obligé de croire là-dedans. Par exemple, Dajjal, quand il y a dans le Coran, a existé. Un événement pareil, et quand nous pouvons apprendre Dajjal, on peut frissonner quand on peut entendre quand il était actuellement. Un événement pareil, un parmi, pas un parmi les grands fitnas, sans même plus grand fitna qui peut exister le latéra. Il n'y a aucun prophète qui ne vienne le latéra. Excepté qu'il fait un avertissement sur Ummat contre fitna des Dajjal. Rasulullah dit pas fini d'exister et pas pour exister plus grand fitna que Dajjal. Un fitna pareil, pays n'a son mention dans le Coran. Mais voilà, man, qui est content, pratique un islam moderniste. Mais alors, c'est content. Alors, je dis, mais nous pas croire là-dedans, nous. Ça, c'est, man, vieille histoire qui peut raconter. Mais non. Voilà qui est arrivé quand nous essayons de comprendre dîn, selon nos passions, selon nos envies, selon YouTube. Et là, on a un des trois élèves. On appelle les autres élèves, parce que les autres, pose-moi question d'aller. Tout petite chose qu'il y a là au Facebook, comment dire, personne dans la ouhel mahfouz, pas venir. Facebook, je vous dis, pour certaines, une ville là où elle mahfouz. Vous comprenez que vous êtes là où elle mahfouz? La tablette préservée. Moi, je dis, mais c'est que Allah m'a mis. Toutes affaires concernant Muharram. Bah, là, je dis, fais ça, fais Issa, les Sawab, fais ça, fais là. Là-bas, on va la prendre au Facebook. Moi, on connaît comment on appelle Facebook. Malgré qu'ils m'ont servi Facebook. Et ça, c'est un point de résultat Covid-19. Moi, on m'appelle Facebook une toilette publique. Moi, on m'appelle Facebook une toilette publique. Toute toilette publique, il n'a pas qu'à rentrer dans certaines toilettes publiques. Rentrer ça tout de suite. Ça n'a fait mal propter la même. Le talent mal propter, il fait mal propter par une flèche. Pas capable. Ou sortir, ou aller, ou tout à fait saisi. Facebook, il y a absolument comme ça. Si vous pas conservé, il vous une mal propre. Facebook, si nous n'a pas conservé, il vient une plus pire que toilette publique. Voilà Facebook. Je sais qu'on est, fait que là, mon dieu, mon est, tu as un service. Allo, mon channel, tu as aussi cher, ça même tout. Tu cher, tu vas vous égarer. Allo, mon channel WhatsApp, si qui m'a dit concernant Muharram, prends ton cher. Si qui m'a dit concernant Sparosa Arafat, prends ton cher. Si, tu cher, tu vas vous égarer. Discute, moi, même, long, l'article à moi, et là, moi, dire composition, pas composition, moi, dire encyclopédie, un quota. Vous allez lire ça, vous? Ça pas une place pour apprendre ça. Apprendre, nous apprendre avec ban ulama. Apprendre, nous apprendre avec ban étudiant de la connaissance qui faut, qui dit des confiances. Nous n'avons pas à apprendre avec tout le monde. Alors, Sunena Ahmad Gohar Shahi. Vous entendez parler? Ahmad Gohar Shahi. Pas Gohar, vous avez un balaba. Dans place Hala. La Lébouzoli. Rien? L'in prend sa boubla comme un fils spirituel, à la litre, même si vous êtes la ligne, moi, vous trouvez mon visage dans la ligne, moi. C'est non, moi, comment vous pictez, lui, bah, ça, qu'il s'est dit, vous êtes la ligne, les pictez, vous trouvez dans la ligne. Mais la ligne, là, c'est quoi, un miroir, ça? L'in trouve un visage dans la ligne, à la ce fils spirituel, lui-même, Ahmed, lui-même, Imam Mahdi. Allahu Akbar. Mais qui m'a fait avec Imam Mahdi, moi, chez moi?
Quand il a qu'il a fait lire un patent, on dit au titre azote ici ça. Donc commencement nous laissons le petit signe Imam Mahdi Mouchas parler. Hein? Ça va lui prendre récit pour la naissance. Parce qu'il nous prend récit qu'on avait madame là, ce monsieur pour faire aller gagner Tibaba. Sinon nous gagne Imam Mahdi Mouchas. Si on a pas ce Mouchas. Donc, mon frère, fais très attention. À cause ça, qu'il nous peut étudier d'une autre façon. Alors, Imam Mahdi, donc ça, c'est mon grand signe du Priyama. Et sa livre-là, pour l'autre, dans l'ACN, comme un meilleur livre qui finit écrire concernant Imam Mahdi. Pas de mention d'Adjal dans le Coran, non, pas capable d'exister ça. Pour ça, combien qu'ils ne sont pas mentionnés. Quand il mentionnait dans le Coran, qui dans التحيات دوزا جاء التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام قد ينمشوني صح قد ينمشوني القرآن دوزا جاء درود إبراهيم دا تشهد قد ينمشوني صح الذي واقم الصلاة في نيابة توري واركعوا واسجدوا في نيابة توري سنة قد ينمشوني القرآن دوزا جاء سبحان ربي العالى دا القرآن هنا كي تلاسا ولا كانوا فيا الاسبري باس لو دين باس لو بان تكس قرآن السنة Alors, Imam Mahdi, beaucoup de gens ne croient pas là-dedans. Il fait rire parce qu'il n'est pas mentionné dans le Coran. Parce qu'il n'est pas mentionné dans le Coran. Si nous prenons Dajjal, qui est plus grand fitna, il n'est pas mentionné dans le Coran, il est mentionné dans le Hadith. Alors, qui fait qu'il n'est pas mentionné dans le Coran? Il n'y a personne qui fait qu'il n'est pas mentionné dans le Coran, Dajjal. Il est mentionné, lui. Mais si on nous connaît, « Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kuma allali jana surah » Surah Isra, surah 17. Écoute bien maintenant. « وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » Nous pas fin d'un autre là. Les pays d'adresse qui s'en a là. Allah peut adresse qui s'en a. Pour l'an, si tu descends l'eau, moi ça. Hein? Ou soit l'imam, Ikhlas, qui ne fait qu'un namaz, Inch'Allah. Tu descends l'eau, dis ça. Non, tu descends l'eau, ça. « Muhammad Rasulullah. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » Nous pas fin d'un autre, excepté un tigui de connaissance. Mais malgré ça, Allah dit, « وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا » Oh Allah, augmente mes connaissances. Le problème, c'est ça. Moïse ouvre le Coran, et ça, c'est prédiction des Rasulullah pour la Manjimoun qui peut exister dans l'époque, comme si, Kriyama, qui nous fait un petit signe. Je vous parle de notre sofa, je vous dire, ce qui nous trouve dans le Coran, nous prend, ce qui nous pas trouvé, nous pas prend. Ça même, tout nous dit. Est-ce qui, c'est comme ça, qui un musulman, il est supposé raisonner? Non! Alors, Dajjal, pas mentionné dans le Coran, ni mentionné. Quand nous vous causons concernant Dajjal, nous promène l'ayat Coran, là, que Allah, ben, on l'a dit, ça, c'est ayat, que Allah, mais mentionne Dajjal. Et si, fin, un petit moment, on dit, ok, pas ça, ayat, là, ça. Il y a un principe. Allah, il y a un principe, quand il mentionne l'opposé d'une petite chose dans le Coran, il pas mentionne sur l'autre opposé. On comprend? Quand on mentionne blanc, il n'est pas mentionné noir. Quand on mentionne positif, il n'est pas mentionné négatif, là. Ça, c'est façon de faire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même qui dit, oh, apprendre. Wa qur rabbi zidni ilma. Oh Allah, augmente mon connaissance. Il fait pas mentionner Dajjal, parce que Dajjal, il connaît comme Masih ad-Dwala, ad-Dwalala. Le Messie des légarements. Et al-Masih al-Hidaya, c'est Isa, alayhi salam. Isa alayhi salam, c'est un messie d'ici messie. Qui fait un appel messie, Isa alayhi salam, il a une raison. Qui fait un appel Dajjal messie, il a une raison. Sanala hidaya. Isa alayhi salam, c'est messie al-hidaya qui invite vers la guidance. Messie ou dalala, Dajjal, qui invite vers l'égarement. Quand Allah mentionne messie ou l'hidaya, il n'est pas mentionné messie al-dalala. Il est inclus dans messie ou al-hidaya. Parce qu'il est qui boutouille Dajjal. Alors, dans sa façon, il mentionne le Coran. Parce qu'Allah dit, dans le Coran, nous pas de finir à n'aigner. Qu'est-ce que c'est? Ma farad n'a fait le kitab et min shay, il n'a n'aigner qu'il nous fait rater dans le Coran. Tout est là, oui, tout est là. Mais c'est pas nous faire comprendre qui veut dire tout est là. Alors, quand nous venons dans le Coran, nous trouvons, par exemple, Allah dit, wa aqimus salat. Fais salat, établis salat. Mais, il n'est pas dit à nous plus qu'il s'en. Les gens nous plus ça. Au tiers livre la main, c'est quoi nous n'allons pas ça. Au tiers livre la main, il y a des façons. Au tiers épaules, au tiers lobes oreilles, à ta salamé, il y a trois façons. Qu'est-ce qu'on a dans le Coran? Venez. Mais c'est moi, il y en a.
إن عليك عن لدي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سكي رسول الله فينا من إبقاني Et ce qui les finit en paix, reste loin, abstenir de ça. Abstenir de ça. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى dans Surah Najm. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوْهَى. Le Rasulullah peut dire, l'île là-bas, soit dans la mer Yémen, soit dans la mer Cham, un an de ça, de là, l'île ou une île. Sans même tout l'indien de Hadith. Parce qu'on a dit le Coran. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Donc, de façon là, dans sa façon, tout qui se mentionne dedans, dans le Coran. Alors, ce man malin, là, quand ce man trouve lui dans le Coran directement, moi, je trouve ouvert, comme ça, je t'envie trouve figure d'adjal, même Dieu. Les là, je vous crois. Je t'envie trouve Imam Mahdi, les là, je vous crois. Donc, non, dis pas comme ça. Alors, Imam Mahdi, mon frère et mon soeur, il a 31 sahabi. Combien? 31 sahaba qui mentionnent Imam Mahdi dans 31 façons. Combien sahaba? 31, pas un, pas des noms. 31 sahaba. Comme ça même, il y en a 27, non, on va faire errer, 38 livres hadith qui ne posent Imam Mahdi. Combien de livres hadith? 38. Là, il y a un problème, là. Il n'y a aucune mention dans Sahih Bukhari et Muslim. Un autre maladie, à ce dans nos ummets, il y a un autre calqué maladie. S'il n'est pas dans, trop dans Bukhari, Muslim, il va beaucoup. Parce qu'il pour lui, à part Bukhari, Muslim, dans les autres livres hadith, vous avez rejeté. Non, il n'est pas comme ça. Oui, Bukhari et Muslim, c'est ces délits plus authentiques qu'il y en a après le Coran. Mais il y en a même les autres informations qui ne trouvent jamais dans Bukhari ni dans Muslim. Et il y en a même un ulama qui fait une pause concernant l'imam Mahdi, il y en a 67 ulama dans 67 différents livres. Et il y a les mêmes comme ça, mon frère et mon soeur. Donc, la maladie des ban Qur'aniyoun, il a filtré beaucoup dans sa ummat là, je ne pas croire dans l'imam Mahdi. Alors, je ne pas dire dans sa façon là un peu, Inch'Allah, Inch'Allah ou ta'ala. Et l'imam Mahdi, il peut encore apparaître, il peut encore prendre naissance, quand il y a la guerre, Dawlat al-Yahoud et Gaza s'est déclenché, combien de khutbah nous t'en dit l'imam Mahdi qui lui paraît? Qu'est-ce que l'imam Mahdi là? Qu'est-ce que ça lui dit? Et parce que c'est l'imam Mahdi, il y a un dialogue fumé qui Allah peut dire, quand il peut avoir un dialogue fumé, ça signe qu'il paraît. La fumée là, c'est quoi ça? Il dit qu'un boum, ben, juif, tape avec boum de ben, Gazaouit, il fait un dialogue fumé, ça aime ça. Est-ce qu'il va nous la main expliquer comme ça? Est-ce qu'il va nous la main expliquer comme ça? Pour qu'il y ait un dialogue fumé, il voulait, il y a un bout dernier, pas un bout dernier. Pas dernier, parce que c'est différent qui vous dernier. Vous avez un grand différent, et avant ça, vous avez la fumée. Un la fumée qui vous vient comme une punition le bandit monde. C'est-à-dire qu'il peut apparaître dans dernier l'époque. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça qu'ils nous interprètent. Donc, faites très attention, mon frère et mon soeur. Et mon corps, je connais l'histoire Ahmad Gohar Shahi, vraiment. Je connais, je ne donne parler. Pas de ma personne, je ne donne parler. Il y en a un petit pot de parole. Il reste dans l'Angleterre, lui retourner, allez-vous t'en moi, il va lui faire une vidéo, là, au moins. Claire? Lui retourner, sans même ce problème, il pas comprendre rien dans Dine, Shara et Sada, il y a les mêmes, il pas qu'on le prononce même. Qui veut dire ça? Claire? Qui te t'as muslim, t'es pas mu'min, t'as l'île mu'min. Il pas connaît même qui différence entre muslim, mu'min, claire? Parce que mu'min qui prend ta janan, muslim va prendre. Allahu Akbar. Allah dit, voilà, t'as mutunna illa wa antum muslimun. N'a pas besoin de mots, excepté qu'ils sont dans l'état des CM qui appellent, quand, il y a une cause qui dit, c'est lui qui cause concernant, un qui passe au domaine, ata bil ghara, bil ajaib. Un dimon qui cause en dehors de ce domaine, il vient avec une chose drôle. Il vient avec une chose drôle. Sharaï sadal, sharaï sadal. Vraiment, pas se mettre comment, qui veut dire sharaï sadal? Sharaï sadal, sharaï sadal. Ici, il va avec un gars, sharaï sadour. Il va avec un prononce ça. Clair? Alors, Imam Mahdi, pour lui, il finit par être. Imam Mahdi sentait la tamangeska. Hein? Vous entendez ça? Imam Mahdi, ce man adep, quand je peux faire ce man, il se fait de santé indien, la tamangeska. Il peut aller dans l'hôtel, il peut faire un live, tout ça, il peut santé moukes. Ça, c'est man suivi à l'Imam Mahdi. Alors, nous pouvons utiliser, Inch'Allah, dans une autre façon, un peu. Mon frère, et mon soeur. Alors, pas un amant, Imam Mahdi dans le Coran, oui, pas un.
Mais seulement, elle analyse indirectement. Elle analyse indirectement quand ben, le Coran y a une fin avec ça, ça doute là. Je voulais pas mentionner dans le Coran, nous pas croire, accepter ce qu'il y a dans le Coran. Mais je n'ai pas mentionné. Les mentionner parce que Rasulullah, il mentionnait 31 sahabi, n'a pas oublié, il fait une rapport concernant Imam Mahdi, 31 sahabi. Une rapport concernant Imam Mahdi. Alors, faut des entendus avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Créant? Alors, wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu. Ça, c'est une preuve. Nous, on dit Rasulullah qui vient dire. Sinon, comme ça, mon frère. Si nous disons, nous prenons ce qu'il y a dans le Coran, c'est comme ça. Mais, garde-nous ça, comment ça fait au plaisir? Mais là, ça baille qui vient dire, non, faut dire, faire noir, comme ça, là, casse-nous ça. Créant? Faut dire, faire noir, là, casse-nous ça. Hein? Si, comment ça, ça baille, venir dire, non, faut dire, mon petit fil blanc, vos poses là, avec 10 fils noirs. Tant qu'ils m'ont pas trouvé, mon gros se manger, moi, allez. Mais, 8e, il vient, on peut se manger, quoi. Et la place. Et là, si nous comprenons le Coran de sa façon-là. Si nous comprenons le Coran de sa façon-là. Coran obligé de comprendre ensemble avec Hadith. Nous pas capables de comprendre le Coran juste comme ça. À cause de ça qu'il vous trouve autant de déviations, un point de cause des divisions dans l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de qu'il résit Hadith. Résit Hadith. Comme je vous le montre le Mimba, il montre avec un tel livre. Un livre là. Clair? Hein, qu'est-ce qu'Allah peut dire, hein? Vous trouvez là? Et allez comme ça. Comme ça qu'il nous fait tafsir le Coran? Avec mon esprit? Non, mon frère, faites très attention. Et même hadith aussi, nous pas gagner moi interprète hadith, comment nous trouver littéralement? Nous obligés, retourne vers, compréhension de mon salaf, mon sahaba, mon tabi, mon tabi tabi'in. Vous t'y expliquez que, sans moussa, dal pourri, hafmoun, quatemoun, ça là, non. Vous avez entendu cette histoire-là? Cause vrai, vous avez entendu. Si vous entendez, nous ne pouvons pas raconter, nous perdons les temps sinon. Parce que dans 5 minutes, nous va arrêter. Vous avez entendu ça? Hein? Alouda à la mousse, Alouda sans la mousse. Vous avez entendu ça? Hein, ben, vous avez ça. Vous avez entendu? Vous entendez? À moins l'information, là, une rouillée. Alors, c'est un frère au Mimbar, dans les sites, pas ici. Voilà, là. Claire? Pas ici, dans les sites. Au pire, si vous avez fait du mal, ben, là, le Mimbar, il peut expliquer hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça va là, normalement, il n'y a pas besoin de micro, ça va vous causer. Il n'y a pas besoin de micro, parler, empli, ça va gaspillage. Il va un peu dans l'époque Samoud, ça va aller. Parce qu'un moteur à l'imazine, il a dit, oh, besoin de micro, bah, là, c'est lui causer ça. Mira est le côté, ça, la ville noire de Boudon. Inch'Allah. Alors, c'est le même, nous, nous sommes des passages, mon frère, là, en vacances, comme ça, nous sommes en vacances, de verser. Dans ma zide, le bébé, le khutba. Bah, elle a expliqué, hadith, de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes plein Ramadan. Nous sommes plein Ramadan. Il veut expliquer, hadith, que Rasulullah veut dire, les sa'imi farhatan. Un sa'im, un rosédag, il a des moments qu'il est content, qu'il est réjouir. Inda liqa'i rabbihi munsiti en premier, et les deuxièmes de hadith, là, quand ils viennent sur Rab. Alors, quand on besoin Allah, les jours du Qiyama, on peut extrêmement content. Qui fait, sa quantité récompense, à part ce qu'il mentionnait dans le hadith, sa quantité récompense qui Allah fin écrire pour Rosa, il vous donne extrêmement content. À part ce qu'il mentionnait pour la potie spéciale, ou la bouche sentie plus bon qui, l'odeur ou la bouche gain, les sentie plus bon qui miss, à part tout ça là, sa quantité récompense qui Allah une cassette, une garde côté, personne baronne, pour extra content. Premier là, qui m'ont mentionné en deuxième, il dit fitrihi. Il faut être content quand il fait fitre. Quand il fait fitre. On connaît pas là comment expliquer ça, fitre là, il dit fitri, quand il fait iftar. Quand Rosedar là, il fait iftar, il est extra content. Il dit, arrête ça. Il fait sehri grand matin. 5e, il arrête manger. Ensuite, il fait lingot 7e, 8e, rosa. Il soif, il faim, extra soif, il soif. Quand il assise devant ça, la table là, il trouve Alouda là-bas, il trouve Samoussa là-bas, il trouve Half Moon ici, il trouve Quarter Moon, il trouve Full Moon ici, il trouve Pâté ici. Et il dit Alouda la mousse tout. Il dit, on pas content là? Rasulullah peut dire, on content, on trouve tout ça là. Rasulullah peut dire, nous trouve Samoussa, nous content. Alouda. Et vous voyez, tu existais dans cette époque ça. Comme ça qui peut expliquer Hadith, comme ça qui peut expliquer Din,
Bah, il a Ziskaler, il considère comme un grand savant dans son pays, là. Ziskaler! Tu es un autre étudiant ensemble avec moi, nous tu es en vacances, l'île résolvera les mots t'appliques comme ça, après Namaz, parce que le football n'a pas gagné droit. Donc quand nous pouvons faire football, il peut causer, nous peut guetter lui, après lui guetter moi guetter moi. Nous pas quatre, pas gagné droit causer parce qu'il dans le football n'a pas gagné droit causer. Quand cela finit, mot t'appliques, il me dit, il manque 10 mounes pour faire football. On va dire, qui doit faire direction Mazdit qui amène ça? Direction Mazdit qui amène ça à des 10 mounes. C'est ça qui souvent des fois nous dit ici, dirige un masjid, c'est un grand kitso, ça, c'est un travail noble, ça. Dirige un masjid, personne là-bas. Hein? Un travail noble, ça. Ou pour répondre contre Allah. Je sais pas, un dimoun qui monte là au mimbar. Ou pour répondre contre Allah. Faites très attention, mon frère et ma soeur. Alors, dis-moi, mais qui te vous fait diriger un masjid? Masjid, c'est un masjid, ben, fais excuse, moi, mon dieu, oh, il faut, et mine, comment dire, parti politique. Tu vois? Alors, ça, nous fait l'alliance, là. Clair? Ça nous met un speaker. Ça nous met un chief whip. Nous devons comme ça, excuse-moi. Nous faisons tout plaisir, nous. Qu'est-ce qui t'ouvre une cause, pas de problème, toi? Pour vite causer, ça, hein? Pour vite causer, pour vite qu'on cause. Alors, fais très attention, mon frère, et ma sœur, n'a pas interprété Coran et Hadith dans, basant le nous l'esprit. Coran et Hadith, c'est leur compréhension de ma sœur. Les oublier dans sa façon-là. Ça, c'est la guidance. Ça, c'est la guidance. Vraiment, si vous parlez dans le Coran, jamais on peut trouver une indication de l'imam Mahdi, alayhi as-salam. Lui-même, il n'est pas connu. Alors, ça, là, il dit, ouais, la guerre, man juif et man palestinien, ça même ça. L'imam Mahdi, peut paraître. Il finit par être. Il paraît. Moi, en 97, moi, l'Arabie, octobre 96, août, qui date, qui m'a nous monté, août 96, mon monte l'Arabie. Claire? Hajj 97, Tandia, Imam Mahdi, vous parlez. Ouh! Mon sensé! Comment monte l'Arabie, Imam Mahdi, vous parlez? T'as vu, moi, ça. Imam Mahdi, vous parlez. Entier Maurice, un groupe, qui s'appelle Tablik Jamaat. Entier Maurice, ce Tablik Jamaat, il a envoyé un Jamaat dans ma casa là. Vous connaissez ça? Vous connaissez? Si vous ne connaissez pas. Demande mon ancien frère qui nous est là-bas. Entier le monde. Il a envoyé une délégation. Man Hadi, allez. Comment Imam Mahdi paraît cocali parce qu'il pour nous ça. Ah, c'est l'autre Jamaat, t'as envoyé ça, Jamaat, t'as envoyé finalement Imam Mahdi qui vous fait. T'as dit, ouais, non pour nous ça. Il non pour nous ça. Qui pour nous ça? Finalement, Imam Mahdi pas paraît. Finalement, Imam Mahdi pas paraît ça l'année là. Mais qui bizarre faire là? Mayous nous retourne, chacun retourne ce pays. Qui compte ça? Qui compte ça, nous, quoi dire, nous venons à la monnaie, quoi dire, un point facile? C'est qui dit, elle a accepté? Je suis venu, depuis Maurice Mokon, Mandimoun, tu viens faire Bey'a avec Imam Mahdi. Claire? Ça, une version Imam Mahdi, quoi dire, il ne resterait pas d'apparaître. Assez, nous pétons, il est dans la ligne. Sophie Gain paraît dans la ligne. Sophie Gain paraît dans la ligne. Si vous guettez la ligne, même, vous avez une comique picture, vous avez tiré là-dedans. Hein? Vous avez trouvé Mohamed Sophie Gain là-dedans. Dans la ligne, ben, ça qu'il se figure. D'ailleurs, pourquoi trouver Ikhlas tout dans la ligne? Si, selon mon esprit, mon petit ami, comme ça, à virer tourner, et je interprète dans l'ayat Quran, la ligne, etc., etc. Alors, mon frère, fais très, très attention. D'ailleurs, c'est une petite chose importante dans nos rites, c'est l'apparition de l'imam Mahdi. Lui-même pas vous connaît, c'est pas lui pour venir imam Mahdi. Lui-même pas vous connaît. Mon pas qu'on est qui fait du monde content, incarne le rôle de Imam Mahdi. Incarné, il dit bon, on peut bien servir le terme, là, incarné. Qui l'a payé par là, non? On met, eh, il pas fait taper les taxes. Comme on peut incarner le rôle de Imam Mahdi. Ça, c'est un rôle qui est là pour donner un du monde, qu'on a d'autres dedans. Par exemple, le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui fait, moi, besoin de la guerre pour venir Imam Mahdi? Lui-même pas connu pour venir Imam Mahdi. Dans un la nuit, Allah pour inspirer Ali, il vous changer. Il n'y a pas de mauvais dimoun, il va vous venir, Inch'Allah. Mais si c'est un dimoun, il veut vivre sur l'islam, qui s'en là, ça, l'infini prend l'essence, il prend la même nom avec Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, même nom, et ce papa, c'est le même nom. Muhammad ibn Abdullah, l'ici pour avec Muhammad ibn Abdullah. L'ici pour avec Muhammad ibn Abdullah. Bah, dans le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il vous dans la descendance de Rasulullah, dans la descendance de Fatih, Fatih, radiallahu, moi, je t'en attends, mon riche, toi.
Comment rejette le imam Mahdi? Mais finalement, qui nous fait avec le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'imam par connaît, dans un la nuit, Allah peut s'en dire, et peut faire vivre un bon djimoun, qui veut dire un bon djimoun, un plus bon djimoun. Un plus bon djimoun, et nous pouvons, inchallah, nous pouvons venir avec tout le monde riwayat, soi-disant, il n'est pas pour content pour prendre sa rôle là, etc., etc. Non! C'est Allah qui choisit Ali pour inspirer Ali pour lui amener sa rôle là. Alors, ce qui est le rôle qu'il peut amener? Il prend un khalifa de la terre. Il prend un khalifa de la terre. Alors, ça va, il veut dire Imam Mahdine Finmo. Dans l'aide de Pakistan, non? Dans Sharia. Dans Pakistan, ça. Mais il finit mot. Mais il prend un travail qu'Allah a envoyé pour faire, il prend un faire. Hein? Il quitte Ali. Là, il paraît de la ligne. Et par exemple, la ligne. Inch'Allah, si nous gagnons une photo là, Inch'Allah, nous pouvons amener, Inch'Allah, mais c'est ici, malheureusement, Pena, Pena projection, hein. La projection, c'est pas ça, Pena. Pena projection. Parce que normalement, quand nous faisons, les élèves grands-sites du Kiyama, ben, pour ça, ils connaissent, et la projection, et Mouba connaît, si nous sommes capables de faire une provision, un écran par là, nous mettons un câble HDMI avec lui, si quand il y a un écran prêté par là, ben, Smart TV là, ou quand nous arrivons là-bas, Inch'Allah, sinon, moi-même, c'est pas depuis qu'il y a plus, nous, quand même, nous plaiguer, ensuite, nous, c'est moi, Manseya, les problèmes, là. Et là, côté Manseya, je vois, on est comment faire ça. Parce que, obligé, Manseya, moi, pas capable d'expliquer, par exemple, au Diaou, Imam Mahdi, Dajjal, pour sortir de Asfahan. Asfahan? Je veux dire, côté banane, cligné, ça, non? En si cause? Non, mais obligé, montrez-vous, voilà, Asfahan, là, il vous passe, là, il vous descend, là, il vous vient dans Madina. Moi, Diaou, il vous descend dans un endroit dans Madina, appelle, frère, l'université. Et, c'est Metabouk Palla, comment appelle le quartier là, ici, là? Il peut venir, il est là, hein. Une place dans Madina, il vous descend là-bas. Eh, mais, pas dire, il va rentrer dans Madina, lui. Vraiment? Il m'a, Dajjal va rentrer dans Madina, lui. Vous connaissez, vous entendez ça? Il va rentrer dans Makkah et Madina, mais, finalement, il descend dans Madina. Voilà la compréhension des dînes. Imam, Dajjal, vous venez dans Madina. Ça veut dire, vous venez dans Madina. Mais pas dire la hadith, il va rentrer dans Madina. Qui veut dire Madina, ici? Hein, vous trouvez, mon frère? Il est pas pour rentrer dans Madina, c'est là, vous venez dans Madina. Il est pas pour rentrer dans Haram Madina. Mais dans Madina, il vous venez. Dans Makkah, il vous venez. Il vous venez dans Madina, il vous montre jusqu'à la montagne Uhud. Il vous déboute la montagne Uhud. Là, là, 11 pour vivre à Sophie qui est à côté. À Sham, là-bas, Isa, alayhi salam, peut attendre pour te lire côté Babylon 2. Avec Mahdi. Mahdi pour ensemble avec Isa. Isa, alayhi salam. Donc, la compréhension des dînes, les traits, il est très important, mon frère et mon frère. Voilà, ça, c'est ce qu'il nous peut apprendre concernant Imam Mahdi. Donc, ça m'a dit qu'il y a un tracas pour venir Imam Mahdi. Clair? Et là, il y a un tracas, il y a envie de venir Imam Mahdi. Et là, madame, envie de donner naissance à Imam Mahdi. Clair? Toute qualité, là. Tout ça, là, ben, on a mal causé, mais malheureusement, il n'y a pas une cause événement Maurice. Nous terminons avec événement Maurice. Moi, tu dis à lui ici, ça. Maurice dit à lui, mon frère, mon frère, pour montrer, nous, niveau des djihalat dans Ummat. Niveau des djahalat dans Oumad, et nous pas gagner droit, reste les bras croisés. Obligé à apprendre. Et obligé continuer à apprendre. Jusqu'à nous pousser dans un soupir. Mon disant, j'ai allé ici, peut-être je finis oublié. Une fois, une madame vient nous voir. Dans sa pays-là. Bah, classe. Dans sa pays-là. Une madame vient nous voir. Claire. Moi, tu peux faire les sons plein de maillons. Je dis, mais attends, après les sons nous causer. Les sons finis. Il a assisté les gens à me manger. Ensuite, nous jouons à une place dans Mazdi. Il va se pleurer. Madame là, se couler la peau, par contre, machallah, tabaraka, il est couvert. Femme top, tuto, comment nous dire. Couvert. Les gants, niqab, les trucs, pas là. Pleurer. Causez qu'à la qui problème, là. Non, vous êtes cause avec Baye Intel. Baye Intel, là, il peut appeler Abdallah, c'est moi. Mon fils confirme. Suis-moi bien, là. Baye Intel, là, il peut appeler Abdallah. Parce qu'il m'a dit, ce papa, vous appelez Abdul. Abdullah. Ce papa, obligé à appeler Abdullah. Parce que hadith de Rasulullah, ça. Ou besoin de causer à lui. Qui besoin de dire à lui comme ça? Fait dominer en haut, agresseur physiquement. Non, 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 pas ça. Pas ça, mon fait un rêve, hein. Mon fait un rêve. Mauvais rêve par raconter. Non, mon bon rêve, ça. Allez, quoi, non, mon rêve, moi, vous donne naissance, il m'a mahdi. Mon rêve, moi, vous donne naissance, il m'a mahdi. Qui ça, en a ça? Un Mauritien, dans Maurice. Il vous donne naissance, il m'a mahdi. On finit de comprendre, dal, mais écoute, il y en a un qui se rose, moi, m'en a dit, sur la tête, pas bon, ça. On dit, mon, il y a où ça? Dans Maurice, mon rêve, moi, vous donne Imam Mahdi, naissance, mais vraiment, sur la tête, pas bon. Mais nous laissons causer. Mais, là, qui besoin faire. Mais, vous besoin causer avec, bah,
Point. Il n'est pas appelé Abdallah. Il n'y connaît là, c'est fausse même. Qui vous a interdit? Mais il n'y a pas les gars, les enfants, encore. Comment vous donnez ça, c'est ma mère? Tant je vous coupable que t'as là. Tant je vous coupable que t'as là. Sinon, il m'a dit pas pour venir. Hein? S'il n'y a pas de nous à enfants là, mais écoute, vous n'avez pas dit. Mais ok, Karali, Inch'Allah, tout ce qu'il a fait. Hein? Ça montre au niveau des jahalat, des pégés tracas, s'il n'y a pas de naissance à ces enfants-là, mais pas pour un imam dit. Pas pour un imam. Est-ce qu'ils ont compris cette histoire-là, mon frère? Il paraît de funny, mais c'est ma montre à montrer au degré niveau des jahalat dans ça, de sa oumata. Donc, Inch'Allah, à partir du mois prochain, Inch'Allah, on commence à expliquer Mahdi, qui veut dire Mahdi, sur une sifat, sur une qualité, sur une caractéristique, qui est mentionnée dans le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et son mission, l'eau la terre. Et son mission, l'eau la terre. Et là, nous pouvons sauter. Nous pouvons sauter. Nous pouvons le prendre, un petit, comme on vient au petit là, un grand signe, mais c'est moi. Ben, qui, comment dire, vite, vite, nous pouvons terminer avec ça. Là, nous concentrer l'eau. Issa, alayhi salam, la descente d'Issa, Dajjal, et Gog, et Magog. Ces trois-là, Inch'Allah, ta'ala, ensemble avec l'imam Mahdi, il est assez, assez long. Et là-dedans, dans une session, nous pouvons terminer plusieurs. Dans une session, nous terminons plusieurs, mais il y en a là-dedans, une celle-ci, il va prendre plusieurs sessions. Une celle-ci, il va prendre plusieurs sessions, Inch'Allah. Nous guettons, si nous avons ajouté un autre jour encore, nous pouvons faire, si pas possible, là-dedans, nous guettons, comment nous capables, raccourcir, ben, l'information concernant les 9 grands signes du Qiyama. Et nous commençons avec la vie de l'imam Mahdi, alayhi salam. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour la compréhension de ce qu'il vient écouter dans nos cœurs. Les gars, nous, le droit chemin, les protégeons contre les gamins. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته